Nagui n'a pas pris de pincettes au moment d'évoquer son ancien programme Tout le monde veut prendre sa place. Lors d'une interview pour Le Figaro, l'animateur a même complètement dézingué le jeu de France 2. Après 15 ans de bons et loyaux services, Nagui a pris la décision en 2021 d'arrêter de présenter Tout le monde veut prendre sa place sur France 2. Ça fait presque 3 ans que j'évoquais le besoin de rafraîchir le jeu, ne serait-ce que pour me renouveler. Je ressentais un décalage entre l'émission et moi. Quand je ne parlais, on essayait de me raisonner. On me demandait si j'étais sûr, si ce n'était pas un passage à vide, si ce n'était pas le blues. On m'a conseillé de prendre des vacances. Mais non, je n'avais le plus l'appétit. Point, je préfère arrêter avant qu'on m'arrête. Je ne reviendrai pas sur ce choix, avait-il annoncé aux Parisiens. CST avec une certaine émotion qu'il présentait quelques mois plus tard son tout dernier numéro. Je ne sais pas ce que j'ai pu apporter à cette émission, en tout cas, elle m'a apporté beaucoup. Je ne l'oublie pas. Déclarait-il notamment. Mais en 2 ans, ses sentiments ont apparemment changé. En effet, dans un nouvel entretien accordé au Figaro Magazine, le mari de Mélanie Page n'a pas été aussi reconnaissant envers le jeu populaire qui a pourtant contribué à le rendre célèbre. Pour commencer, il a confié n'avoir aucun, zéro de chez zéro regret d'avoir tourné cette grande page de sa carrière. Au contraire, encore plus en voyant ce qui s'y passe. Non seulement, je n'ai aucun regret, mais je me demande pourquoi je ne suis pas parti plus tôt. Je suis tellement mieux, plus heureux depuis que j'ai arrêté, si est-il incroyable, a-t-il déclaré sans retenue. Nagui est même allé jusqu'à tacler Tout le monde veut prendre sa place, un jeu démodé selon lui. Pour moi, CST une émission qui a vieilli, qui n'est plus du tout dans l'air du temps. On est en train de maintenir en vie quelqu'un de très, très, très fatigué. J'ai revu des images, des émissions, et je me demande comment j'ai tenu autant de temps, a-t-il lâché. L'animateur a toutefois précisé que son avis très tranché n'avait rien à voir avec le talent de Laurence Boccolini ou de Jarry, lesquels lui ont succédé. Après son départ, Nagui a d'abord été remplacé par Laurence Boccolini, de 2021 à 2023. Et depuis le 5 août dernier, c'est Jarry qui a hérité de l'émission. Just me.